C'est la fin de tout donner mon talent, de tout donner jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Salut, c'est Cyril de Ma Piano Pop et bienvenue à vous dans ce tuto où on va voir cette magnifique chanson de Juliette Armanet, Le Dernier Jour du Disco. Moitié balade, moitié vraiment tube disco up tempo. En fait, vous allez voir que c'est pas bien méchant et que voilà, si vous avez déjà quelques petits mois de piano sous les doigts, ça va tout bien se passer. Voilà. Comme souvent, Juliette Armanet, elle prend ses parties de piano relativement hautes sur son clavier. Voilà, elle va pas trop jouer en bas parce qu'en fait, elle a une magnifique voix de tête, tout en douceur comme ça. Elle le fait vraiment très bien. Donc du coup, elle a plutôt tendance à accompagner sa voix avec son piano relativement haut sur le clavier. Donc ici, on va attaquer tout de suite avec les accords du couplet, si vous voulez bien. Évidemment, tous ces accords, vous les retrouverez dans la fiche accords qui est disponible gratuitement, évidemment. Voilà, donc, comme vous le voyez sur cette fiche accords, la première ligne, c'est les accords du couplet. Et il y en a quatre. Le premier, ça va être un sol mineur. Vous allez jouer une octave de sol. Donc encore une fois, la prenez pas trop bas ici. Hein, voilà. Prenez en gros avec le pouce le sol qui est juste en dessous du do du milieu ici. Hein. Voilà. Et avec la main droite, vous allez jouer si bémol, ré, sol. Et en gros, si vous voulez, il faut séparer un peu le tempo. C'est-à-dire qu'il y a un premier tempo vraiment balade et il y a un deuxième tempo vraiment hyper up tempo. Le deuxième, en gros, est vers 140, le premier vers 70. Serait même un petit peu plus long que ça. C'est pas exactement un double time pitch, je crois. Je l'ai pas mesuré au clic, mais il m'a semblé que c'était un petit peu plus du double. Bref, peu importe. Mais en tout cas, si on prend le tempo du début, qui est donc un tempo lent entre 60 et 70, on va avoir 4 temps sur ce premier accord. 1, 2, 3. Voilà. Donc vous pouvez faire une petite croche discrète ici avec le pouce de la main droite. 1 et 2 et 3 et 4. Ok, ça c'est le premier, c'est sol mineur. Si bémol, ré, sol. Le deuxième, ça va être un la mineur, mais qui est qu'un bémol. C'est-à-dire qu'un vrai la mineur, ça serait la, do, mi. Là, en l'occurrence, ça serait l'autre renversement, qui serait do, mi, la. Voilà. Mais là, la quinte, qui est donc le mi et bémol, ça donne donc do, mi, bémol, la. Ok, okay. Donc do, mi, bémol, la, avec la à la basse. Ok, voilà, pareil, 4 temps, petite croche légère sur le pouce. Voilà, le troisième accord, c'est Do mineur 7. Do mineur 7, ce serait Do, Mi bémol, Sol, Si bémol, mais on va pas jouer le Sol, parce que c'est la quinte. Et on essaie toujours autant que possible de garder des formules à 3 doigts à la main droite. Et on va jouer donc Do, Mi bémol, Si bémol, à savoir la fondamentale, la tierce mineure et la septième mineure, et on a Do à la main gauche. Voilà, donc 4 temps là aussi. Et va y avoir une petite surprise parce que toute bonne chanson contient des petites surprises. Le quatrième accord, ça va être Ré 7. Jusqu'ici, rien d'extraordinairement surprenant. On va avoir Do, Fa dièse, La. Okay, voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, il n'y en a que 2 temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 mesures de 4 temps et une mesure de 2 temps. Donc, dernier accord. C'est la fin. Ok, ça fait 1, 2, et on repart direct sur le sol mineur. Ok? Donc, si on joue ce premier couplet en entier, ça va faire ça. 3, 4, sol mineur, 1, 2, 3, et 4, et la mineur quinte bémol, et 1, et 4, et do mineur 7, 1, 2, 3, et 4, et ré 7, et 2, c'est la fin. Ok, voilà. Bon, elle n'aurait pas pu mieux trouver les paroles, c'est la fin. Hop, bingo, on termine le couplet. Voilà, la deuxième fois, c'est exactement la même chose, mais vous arrivez sur le ré 7, et en fait, vous allez faire 2 temps de ré 7, 2 temps de ré. C'est-à-dire que vous arrivez ici, vous faites 1, 2, 3, 4. Ok, donc voilà, le ré 7, c'était do, fa dièse, la. Ok, là, vous allez juste faire ré, fa dièse, la, ça fait une vraie triade de ré majeur. Et donc ça va faire 1, 2, 3, 4, voilà. Et là on va arriver sur le refrain. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau. Voilà. Et donc le refrain va faire mi bémol, donc là vous allez changer encore un petit peu de registre, vous allez aller plus vers les aigus, mi bémol avec sol, si bémol, mi bémol. Voilà. Vous pourriez jouer la main gauche ici, voilà. Mais après je trouve que ça demande un peu de se tourner, donc voilà. Moi je vais plutôt la jouer tranquillou à cette octave là, mais en tout cas c'est une octave de mi bémol à la main gauche. Okay, donc sol, si bémol, mi bémol avec mi bémol à la main gauche. Pareil, 4 temps de tête. Ensuite on a si bémol basse ré,
voilà, l'accord de si bémol, c'est fa, si bémol, ré, mais on va pas jouer si bémol à la basse, on va jouer ré à la basse. Pareil, 4 temps. Puis là, on va avoir un sol mineur 7. Sol mineur 7, la bonne affaire, c'est qu'en fait, c'est les 3 notes à la main droite, puisque en fait, un sol mineur 7, ça serait sol, si bémol, ré, fa. Voilà, mais du coup, on va jouer simplement fa, si bémol, ré, et on va jouer la fondamentale à la main gauche. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est la même triade hein, sur si bémol, basse, ré et sol mineur. Et le dernier accord, c'est Do7. Voilà. Donc Do7, ça serait Do, Mi, Sol, Si bémol. Là, on va jouer Sol, Si bémol, Mi. Okay, on ne joue pas la fondamentale puisqu'elle est déjà jouée 2 fois à la main gauche. Voilà. À noter que parfois, elle va jouer aussi une neuvième qui serait le Ré. Hein. Voilà. Voilà. De temps en temps, elle fait entendre cette ce petit Ré là. Okay, donc ça, ça va être nos 4 mesures du refrain. Dernier jour de décembre. 3, 4, si bémol basse ré, 2, 4, sol mineur 7, 2, 4, do 7, et on recommence. Voilà, et là, vous pouvez effectivement mettre le ré. Ok? Voilà, donc là on a un couplet et un refrain. Ensuite on va avoir 2 fois la même chose, couplet et refrain, mais par contre tout va être double time fill ou disons jouer 2 fois plus vite. Je pense encore une fois c'est un petit peu plus que 2 fois, mais bon. Toujours est-il qu'on va tout jouer 2 fois plus vite, mais en fait on va du coup jouer tout aussi 2 fois plus longtemps. C'est-à-dire qu'en fait la mélodie vocale, elle va à la même vitesse. Ok, donc du coup ce qui prenait 4 temps, c'est la fin. Da, 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 da. En gros, le débit vocal va rester grosso modo le même. Donc, c'est juste que, au lieu d'avoir 4 temps de la mineur quinte bémol, 4 temps de do mineur 7 et 2 temps de ré, bah, vous allez avoir 8 temps de sol mineur, 8 temps de la mineur quinte bémol, 8 temps de do mineur 7 et 4 temps de ré. Et ça va faire ça. 1, 2, 3, 4, Donc ça, vous avez plusieurs moyens de jouer, parce qu'en gros, c'est pas vraiment le piano qui tient la rythmique, si vous voulez. Il y a quand même toute une espèce de rythmique disco, basse, guitare, batterie, gros synthé, etc. Une grosse basse move, là, qui sont vraiment, vraiment cool. En gros, dans tout ce revival disco, Clara Luciani, et puis ce morceau de Juliette Armanet, et puis quelques autres, hein, voilà, ils vont vraiment rechercher les bons sons des années 70, avec les grosses basses synthé, move, etc. Ils sont vraiment, vraiment très, 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 très cool, quand même. Donc, du coup, vous pouvez jouer ça un tout petit peu comme bon vous semblera. Donc, du coup, soit en croche, pouce main gauche, pouce main droite, hein. Voilà. Là, j'avais plus tendance à le faire pouce main gauche, pardon. Voilà. Comme vous voyez, je le fais d'ailleurs pas sur tous les temps. Je fais 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Ok ? Voilà. Sauf qu'il faut en faire 8 temps, bien sûr. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 4 et 1. Okay, c'est la fin. Okay. Elle fait exactement le même truc, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de temps de ré que des autres accords la première fois, et puis ensuite elle en met le même nombre. Donc, du coup, si on compte à ce tempo-là, il y a bien 8 temps de sol mineur, 8 temps de la mineur 7, 8 temps de la mineur quinte bémol, pardon, 8 temps de do mineur 7, et 4 temps de ré la première fois, puis 8, 8, 8, 8 aussi. Voilà. Sachant que c'est 4 temps de ré 7 et 4 temps de ré. Voilà. Et 4 temps de ré. Ok. Et elle fait exactement le même principe sur le refrain. Le dernier jour des décembre. Voilà. À noter que vous pouvez aussi changer un tout petit peu la rythmique si vous voulez. Vous pouvez faire un truc un peu plus syncopé, un peu plus dans l'esprit, par exemple, je sais pas, d'un Viva la Vida de Coldplay. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et, voilà, vous faites en gros 3 noirs, ensuite 2 croches, 1, 2, 3, 4.
4 et, puis là vous en jouez 3 sur le et, donc 1 sur le et du 4, 1 sur le et du 1, 1 sur le et du 2, et vous retombez sur vos pieds sur 3 et 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et, 3, 4, 1. Si je mets ça au tempo 1, 2, 3, 4, ok, ça va tourner comme ça. Voilà. Encore une fois, le piano lui-même dans le morceau ne fait pas la rythmique. Donc vous pouvez vraiment un peu l'adapter comme vous voulez. Voilà, vous pouvez aussi le simplifier dans la mesure où ça va quand même très vite et jouer tout en noir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, ça vous fera travailler de toute façon la souplesse et le relâchement, c'est très bien. Et puis, donc voilà, il y a deux couplets, enfin un couplet, un refrain, un couplet, un refrain dans la partie up-tempo. Et puis ensuite, il y a un pont où en gros, elle va commencer sur un sol mineur 7. Donc presque celui du début, si bémol, ré, mais au lieu d'avoir sol, on va avoir fa ici. Ok. Ok. Voilà. Puis ensuite, on va avoir un si bémol, donc vous allez garder la même main droite, si bémol, ré, fa, et vous allez jouer si bémol à la main. Ok. Puis ensuite, do majeur. Sol, do, mi, avec do à la basse. Ok. Et le dernier accord, c'est ré 7, où là, en fait, je pense qu'elle va jouer un truc à 4 notes, fa dièse, la, do, ré. Voilà. Parce qu'en fait, on entend distinctement le ré, et on entend en même temps distinctement que c'est une couleur d'accord 7. Donc je pense que, voilà, je la vois pas jouer un truc comme ça. Voilà, ça serait quand même un tout petit peu compliqué. Donc je pense qu'elle fait fa dièse, la, ré. Pardon, fa dièse, la, do, ré. Voilà. Avec le ré à la basse, ok. Donc du coup, on va avoir ces 4 temps de chaque, pareil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, le plaque, une dernière fois, il dure 4 temps, ok. Donc c'est à chaque fois 4 noirs sur chaque mesure, sur chaque accord, pardon. Et puis, il y a une mesure en plus, voilà, où elle plaque un accord qui dure 4 temps, et puis ça repart sur le refrain, et puis à la fin, c'est la fin. Voilà, vous avez tout ce qu'il y a à savoir pour jouer le dernier jour du disco de Juliette Armanet. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger la fiche accord, ça vous permettra d'avoir un support et de vous y référer. Voilà, et du coup, en suivant le tuto pour la rythmique et en écoutant la chanson, je pense que vous arriverez à faire un truc qui tient bien la route. Voilà, si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, on se retrouve très bientôt sur MyPianoPop. Ciao, ciao.